Je suis Saba Fatimata, promotrice de l'entreprise Safas, domiciliée à Dori. L'entreprise Safas transforme beaucoup de choses. Nous sommes dans la production, la transformation, la commercialisation, la formation et le renforcement des capacités. Voilà, nous avons diverses variétés de savons. Nous avons également les thés infusions thérapeutiques, les sirops thérapeutiques, les pommades corporelles à base de beurre de karité, beurre de lait et l'huile de balanites. Nous avons également les sirops thérapeutiques à base de l'acacia nilotica, qui est le perananga. Nous avons également les poudres thérapeutiques, la poudre de moringa, la poudre de baobab, la poudre également de l'acacia nilotica. Nos différentes variétés de thé, nous avons le thé à base de l'acacia nilotica au clou, qui vraiment traite beaucoup de maladies comme les ulcères, les hémorroïdes et j'en passe. Nous avons également le thé cocktail à base de l'acacia, qui traite également la colopathie, les ballonnements, tout ce qui est problème de ventre, la toux, l'angine, ainsi de suite. Nous avons également le thé bonheur, qui est le thé vraiment qui donne du bonheur dans le foyer, ainsi qu'à la femme et aussi à l'homme. Dès que l'homme prend ce thé le soir, le bonheur est trouvé dans le foyer. Si la femme également prend, c'est propre. Nous avons le jardin secret, que j'appelle le thé à la puissance 5. Parce que bon, c'est naturellement conçu, ce n'est pas pour faire du mal, ça n'a pas d'effet secondaire. C'est moi-même qui le conçois. Alors, c'est un thé à base de l'acacia nilotica et d'autres additifs qui vraiment permet à la femme qui a des problèmes de fertilité, de fécondité, de se retrouver, les douleurs de bas-ventre, les règles douloureuses, de se retrouver. Et les hommes également, ils l'utilisent à la puissance 5 parce que l'homme qui prend ça, qui a des difficultés vraiment d'excitation, il arrive à faire le bonheur dans son foyer. Je suis allée sur l'esthétique générale de mes produits. Quand je les regarde aujourd'hui, je suis fière, même si je n'ai pas atteint mon objectif, parce que bon, je viendrai faire mieux que ça. Voilà, je fais les formations et renforcement des capacités dans ce domaine. J'ai les stagiaires avec moi, j'ai également les centres que je forme. J'ai bénéficié de 4 millions de francs CFA avec l'AFE PME. Le financement a été très très bénéfique chez moi parce que ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis d'augmenter mon matériel et ça a augmenté ma production également. Comme les thés Lipton, vraiment les gens demandent en quantité. J'ai utilisé ça pour prendre mes emballages et beaucoup de choses ont été augmentées. Même le communicateur que je viens de recruter, c'est suite à cet argent que j'ai vraiment pu faire ça. Je dirais vraiment merci à l'AFE PME pour vraiment leur accompagnement à l'égard des PME, notamment à mon égard. Cela m'a beaucoup fait du bien. Voilà. Je leur dirais merci et encore merci d'aider et toujours aider pour que nous-mêmes nous aidions. Voilà. Et ce que je peux leur dire, c'est aussi de suivre. Il ne suffit pas d'aider parce que quand on aide quelqu'un, on ne lui suit pas, c'est difficile. La personne, pour l'encourager, il faut le suivre. Nous demandons à l'AFE PME, même si c'est au téléphone, qu'on nous suive. Je le répète, c'est grâce à leur financement que j'ai trouvé beaucoup d'innovations.